C'est Chloé et bienvenue sur la map Fairy Tang. Voilà, youpi. Donc on va dire bonjour à Ender qui est derrière moi. Je suis là. Voilà. Je sais que t'as gagné devant moi quand j'ai atterri, mais bon, c'est pas grave. Non, c'était pas calculé. En gros, ça va être une petite série qui vraiment, enfin, il n'y aura pas de baston ou quoi. C'est vraiment, on va découvrir cette map qui a l'air vachement sympathique. Où il y a en gros plusieurs bâtiments de Fairy Tang. Donc là, on est devant la geek, hein, juste devant. On est dans la ville aussi, dans Magnolia. Et il y a plusieurs trucs comme le Nirvana, la tour du paradis, le bateau là, de Blue Pegasus, j'ai absolument aucune idée de comment il s'appelle. Bon, on verra bien ça. Attends, c'est le... Je sais plus. J'étais allé voir sur internet, je me suis dit moi. Non, mais je sais pas, le vaisseau, un truc comme ça. Je sais plus. Attends, j'ai un iPhone à côté. On rentre dans la guide pour visiter. Vas-y, donc, je teste. C'est quoi Fairy Tang, Good Shop. Il y a des trucs dans les coffres ou pas? Non, il y a absolument rien. Si tu veux, après, je parlerai un peu de la map parce que j'ai regardé sur internet. Oui, c'est vrai que oui. Donc, ça en gros, si vous avez vu un peu, enfin, si vous suivez un peu l'animé, vous savez que dans la guide de Fairy Tang, il y a un petit shop avec plein de peluches, Natsu, Happy, des trucs comme ça. Voilà, donc c'est des tables hein, pour manger. Parce que ça sert à ça, une table de toute façon. On peut jouer garde dessus. Il y a un truc ou pas qu'on appuie là-dessus ou il se passe absolument rien? Non, il se passe rien. C'est la déco. D'accord. Okay, donc, si tu regardes derrière, rien. On rentre dans la guilde, on a les tables où ils boivent, où ils se bourrent la gueule toute la journée. Et on a la petite sac de spectacle où Gadzig nous a interprété une superbe chanson. Attends, tu veux que je fasse un show? Épisode. Vas-y, alors franchement, vas-y. Non, c'est bon, j'arrête. Non, vas-y. Non, sans déconner, je chante un truc pour rigoler. Non, je chante très fort en vidéo, j'ai déjà fait une fois. Bah, je sais pas, fais n'importe quoi, mais vas-y, fais ton show. Non, c'est bon. Oh, t'as pas d'humour à ta gueule. On fera un épisode si ça s'est bien passé. Voilà. D'accord, si ça se passe bien, on fera un petit bonus avec Under qui chante. Okay. Alors, c'est-à-dire, si tu fais pas de vue, je veux bien chanter. C'est absolument ça. Donc, on a. Les toilettes. Les toilettes, c'est ce que je lui disais tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Rentre pas dans la même que moi. C'est pas moi. Ça, c'est la douche. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Ah, yes, ils ont fait un vrai truc. Il y avait un bot qui m'avait fait ça, je me souviens, sauf que ça faisait pas comme ça, il y avait un truc pour que Goa puisse évacuer. Bah, ils auraient dû mettre un dispenser. Ouais, ils auraient dû. Mais c'est pas grave, c'est déjà bien comme ça, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, à la limite, ça fait plus artisanal comme ça. C'est ça, ça fait plus inondation. Voilà. Et là, c'est quoi? Donc, là, on est dehors, donc on va rentrer pour voir un peu les pièces. Attends, mais il y a des trucs là, non? Non, mais on y va. Regarde, il y a la cour de la guilde. Il y a la cour de la. On ira voir après, on fait l'intérieur, puisqu'on est à l'intérieur. Ok, excuse-moi. Non, okay, mais... Moi j'ai spoil un truc, c'est bon. C'est quoi ça? Alors, storage room. C'est quoi storage room? Ah, c'est bibliothèque en gros. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, je suis bête, c'est devant un coffre, il y a un truc par-dessus. Youpi. Bravo, Chris. Non, c'est l'endroit où il stocke, non? Oui, aussi, pourquoi pas. C'est pas la bibliothèque, hein? Oui, non, mais j'ai mis des conneries, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça en fait. Oui, non, mais ouais, bon, laisse tomber. Voilà. Alors, ici, c'est quoi? Là, il y a resting room. Quel accent. Là, je t'avoue que je sais pas trop ce que c'est. Bah surtout qu'avec notre anglais tellement développé, t'as pas ton iPhone à côté de toi. Si, attends. Ah putain, le temps que tu trouves. Attends, mais je crois que j'ai une application traduction. Oui, moi aussi, mais attends, le temps que tu trouves, j'ai un peu expliqué qu'est-ce qu'on fait sur la map en fait, parce que je l'ai dit que très brièvement au début des vidéos. Donc en gros, comme je l'ai dit, on va visiter en fait à chaque épisode un morceau de la map, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va visiter la guilde. Et au prochain épisode, je suis en train de visiter Nirvana ou autre chose, tout simplement. Et bon, bref, en gros, on fait ça parce que moi, perso, je suis une grosse fan de Fairy Tang. Under, toi, je sais que t'aimes bien, mais après, si t'es un gros fan, je sais pas trop non plus. Je suis gros, mais après, je suis pas un fan. Non, je rigole. Donc, du coup, ben, je trouve ça assez sympa, surtout que le mec, il a bien dû bosser. Bon, apparemment, parce que Under a visité sans moi tout à l'heure pour se repérer un peu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Du tout. Pour se repérer un peu dans la map. Et apparemment, toutes les maisons de la ville, elles sont complètement vides. Bon, ça, après, je peux comprendre parce que voilà. Il va pas faire non plus chaque maison, ça sert un peu à rien. C'est la chambre de repos. Ah, ok, tout simplement. Après un quart d'heure de recherche, Under a trouvé. C'est ça. Donc, voilà, en gros, c'est vraiment pour vous montrer un peu la map et parce que c'est cool. Là, cette fois-ci. Ça, c'est les archives avec la bibliothèque. Utilité. Oui, voilà, c'est la bibliothèque, quoi. Ce que je disais. C'est une menteuse. C'est la bibliothèque en anglais, ça. Oui. C'est pas comme ça quand j'ai un librairie. Ça, c'est quoi? C'est l'extérieur? Ah non, pas du tout. Ah, ça, c'est pour aller dans la boutique. Mais il y a l'infirmerie qui est, je sais plus où. Bah écoute, on va la trouver, l'infirmerie, puisqu'il y en a une. Bon, j'ai pas regardé la map avant. Non, pas du tout.
Dust Awake. Ah, là c'est le tableau des quêtes, oui. Il est juste un peu vide, mais c'est pas grave. Ah punaise. C'est quoi Data Storage Room? C'est ça les archives, non? Ah non, ça d'après moi c'est les missions qui sont déjà terminées. T'es sûr? D'après moi, je dis ça, mais c'est peut-être pas ça non plus. Ah, ça c'est l'infirmerie, voilà, superbe. Une salle vide avec des lits. Voilà, parfait. Hop. C'est le stockage des données. En même temps, je suis con, Data Storage. Oui, bon, bref. Allez, à la cuisine. À la clé qui ferme pas les portes. Non, je rigole, c'est que ça m'éclate. Non, franchement, c'est sympa, moi, je trouve, comme map. Kitchen. Non ouais, ça va. Mais je sais pas, je trouve. Enfin. Non, mais même d'accord, non plus à 100%. Enfin, il a pas mis. C'est pas un gros map maker, quoi. Ça, c'est encore des chiottes, donc on va pas visiter, c'est encore rien. Alors, attends, on va monter. D'ailleurs, non, non. Oh putain, mais. C'est pour te faire chier, tu sais. Donc, ici, on a le deuxième étage. Je sens que ça va rentrer dans ma chambre dans moins de 5 minutes. Je sens que je vais péter les plombs. Alors, d'accord, super deuxième étage. Non, mais attends, là, c'est. Ah, c'est oui, le bat... oui. Non, non, merci. Viens, viens par là. Parce que normalement, c'est pas comme ça le deuxième étage. Et il y a un endroit aussi. Merde. C'est bon, je suis pas tombé. Là, tu sais, c'est l'endroit où il y a les quêtes de rang S. Oui, et, oui mais seulement le deuxième étage est accessible à tout le monde maintenant. Et en plus, l'escalier il arrive directement ici normalement. Il arrive pas, enfin. L'escalier se trouve derrière la scène, si j'ai pas de conneries. Et il n'y a pas de terrasse comme ça sur le bord, bon, bref. Alors, c'est grave, après il a peut-être dû aménager un peu, je sais pas. Ouais, bon. Ouais, mais après il fait comme il peut aussi, le mec. Hein. Enfin, je veux dire, moi j'aurais jamais fait ça de ma vie donc. Ça, c'est la chambre du maître. Il est pas chiant le maître à faire des escaliers. Ma chambre, en fait. Non, c'est pas ta chambre du tout. Toi, t'as l'étage du bas déjà pour commencer. Moi, je dors dans les chiottes. Ah, mais paye sa chambre. Regarde. Je crois qu'il pleut. Ouais, hardcore. Non, j'éconne. Ah, j'ai fait ça avec une voix, ça devrait être. C'était impressionnant. Franchement, je te le dis, c'était impressionnant. Avec la voix cassée et tout, tu sais. Ah, il y a même de gauche qui n'en peut plus et qui a essayé de faire des voix bizarres après. Bah, c'est normal, ça marche pas. J'aurais dû penser que je t'enrhumais avant d'essayer. Hardcore. Je suis pas enrhumé, mais j'ai. Oui, voilà, t'es une menteuse. J'ai mal de gorge. Hein. Oui, t'es une menteuse. Oui, bien sûr. Donc maintenant, on va passer à l'extérieur. Wow. Je sais pas. Trop de puissance en moi. Oh, allez, avant toi. Non. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien, je voulais te doubler. Ok. Donc, extérieur, ça peut vendre un petit jardin. Là-bas, il y a une pièce, on va voir ce que c'est. Ah oh, oui, la piscine. On l'avait vu dans un. Merde, comment ça s'appelle? Tu sais, Girls' Series, la version manga. Oui, je vois. Je crois. Je sais plus. J'en regarde tellement souvent, faut dire. Et en fait, si tu veux, attends, je vais te raconter un peu la petite histoire. En gros, dans la piscine, quelque part, je sais pas s'ils l'ont fait, ce serait assez énorme qu'ils l'aient fait. Non, il l'a pas fait. En gros, si tu veux, ils avaient repéré un petit trou avec une caméra. Enfin, non, pas vraiment. En fait, ils étaient atterris dans une salle, je sais pas trop pourquoi. J'ai complètement oublié. Et dedans, il y avait une sorte de caméra ou de trou. Et ça donnait vue sur la piscine. Ils se sont rendus compte, en fait. Qu'ils étaient espionnés. Je crois que c'était le maître en fait qui regardait par là. Donc là, je viens d'avoir un réflexe de survie. C'est dans la vidéo, t'es morte. Quoi? Il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre. Ah, voilà, je le dis parce que voilà, je suis trop fort. De toute façon, si quelqu'un nous couvre, on fera une petite ellipse, je pense. Oui, voilà. Il n'y a pas de souci pour ça. T'as mis un chrono, bien sûr. Bien sûr que non. Derrière, il y a juste de l'eau, ça sert à rien d'aller voir. Enfin, il y a des quais, mais c'est nul. Ça fait des espèces de falaises un peu. Ok, ça va. Et il y a un cochon dans l'eau aussi. Je peux le faire. Merci. Ah ouais. On voit, ouais. Non, bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus et qu'on fera. Déjà autre... Ben ouais, enfin, je sais pas, on a déjà fait une partie de la map. Ah, mais moi, je pensais qu'on faisait tout en un seul épisode. Ah non, pas tout en un seul épisode. D'accord. Sinon, il n'y aurait pas d'épisode, réfléchis. Au pire, on finit au moins de visiter le village, non? Je sais pas. Oui, ben c'est vrai qu'on peut. Parce que, enfin, il n'y a pas énormément de trucs dans le village non plus. Il n'y a pas de soucis. Alors, moi, j'ai envie d'aller sur la cloche, justement. Une cloche sur une cloche. Truc qui naisse. 30 secondes. Hop. 30 secondes. Non, arrête, ça fait de péter. J'étais en train de me dire qu'est-ce qu'il a du serveur, je vais mourir. Tu sais que c'est moi chef du serveur. Non, bah écoute, on va visiter le village donc on va revenir devant. Bonjour, Ender. Alors, 30
30 secondes. Alors moi, ça me rappelle, quand les vidéos comme ça me rappelle. T'as suivi jusqu'à où la série? Un peu plus loin que Nirvana. Tu vois qui c'est ou pas Kickdart? Non, je sais plus, mais il y a trop longtemps que j'ai regardé d'ailleurs. Kickdart, c'est genre le mec tarp impuissant qui fait tout exploser dès qu'il touche un truc. Ouais, bref, bon, c'est pas plus. Bon, bref, en gros, si tu veux, quand tu arrives dans la ville, une mesure de sécurité, t'as une maison qui s'écarte en fait, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et genre, tu vois, le mec, quand tu sors dans la geek, il casse le mur et tout, tu vois. Donc, on va la visiter de haut, la ville, je pense, parce que. Avec les lumières, c'est pas trop. Enfin. Ouais, je trouve que c'est un peu vide en fait. Alors, attends, je me demande s'ils ont fait le bâtiment où Lucie elle habite. Parce que là, t'as la rivière où elle passe pour rentrer chez elle. Oh, j'avais pas vu ça en face par contre. De quoi? Le bâtiment blanc. J'arrive pas à me souvenir ce que c'est. Tu crois que c'est. La mairie. La guillette de là qu'il y avait? Bah, je sais pas. Non, tu sais, c'est l'église là où Natsu il combat Lucius. Luxus. Ah oui, oui. Complètement. C'est pas ça? C'est complètement vrai. C'est complètement oui. Natsu et Gazi, ils combattent avec ça. Non, mais dans l'anime, il court pendant 50 ans. Tu dis que là, s'il court 50 ans, c'est qu'il le fait en moonwalk, le truc. Ouais, c'est ça, et encore. C'est là où on voit le vrai visage de Mr. Gun pour la première fois. Ouais, c'est vrai. Alors attends, ouais, mais... Spoil pas. Ah oui, ouais, non, mais dans tous les cas, c'est que je regarde, écoute, les AK. Ah, ouais, voilà. Non, t'as raison, c'est méchant. Hop, ok. Donc il n'y a absolument rien dans cette église. Ouais, à la limite, l'église est pas trop mal, je trouve. Ouais, mais bon, elle est un peu vide, si tu veux, mon avis. Bon, après, ouais, voilà. Enfin, c'est pareil, je trouve, c'est un mec qui est un fan de la série, mais après. Ouais, ouais. Je veux dire, ça aurait été un bon gros builder de map qui aurait fait ça, je pense que ça aurait pu rendre un truc vraiment de malade. Autant, il y en a une, mais on l'a juste pas trouvé. Hein. Bah, je regarderai au pire. On peut faire non plus 50 maps sur Fairy Tail, ça va pas. Voilà, c'était là la gare que je te disais tout à l'heure pour se rendre à... Je t'ai pas suivi du tout. Attends. Ah, il y a Kiko, s'il te plaît. Enfin, super sympa. Voilà. Ok, ça va. Il faut surtout... J'allais dire casse rien. C'est là-bas la gare. Oui, mais bah, quitte à visiter la ville, autant visiter la gare, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Par contre, chacun peut se situer où habite Lucie. D'après moi, il n'aura pas fait la maison non plus, je pense. En ce moment, à part une douche et un lit, y'a rien à faire. Donc. Bah, elle est comment sa maison? Parce que je sais plus. Il me semble que c'est une sorte d'un peu. Ça fait un peu immeuble, je crois. Genre un peu maison étage, t'as vu, pour plusieurs personnes. Alors, donc ça, c'est la gare, tu dis. Oh putain, oui, c'est la gare, oui. Putain, tu as une carte? Ouais, mais il aurait pu faire un truc automatique. Alors, information. Ouhou, y'a rien. Donc en gros, c'est par ici qu'il faut passer pour rejoindre d'autres zones, c'est ça? Enfin, c'est. Ouais, voilà. Zones, là où y'a rien, c'est le Nirvana, j'étais voir tout à l'heure. Ok, ça va. Donc ben les gens, on se retrouvera certainement ici dans notre épisode pour... Attends, je crois que j'ai trouvé les maisons de... Enfin, il y a des maisons individuelles par là un peu. Écoute, c'est pas du tout où t'es. Donc T'es péto sur moi. Pas de soucis. Je sais pas, je connais pas trop. Enfin, je connais vite fait la série. Ah non, mais ça d'après moi, tu sais ce que c'est? Non. Si j'ai pas de conneries, ça serait bien la résidence de Fairy Tail. Sauf que d'après moi, c'est pas ça en fait, quand j'y repense, ça va pas trop être ça. Si, hein, peut-être. Si, il y a des chances que ce soit la résidence de Fairy Tail. Attends, je vais voir par là un peu. Ça et peut tout. Être la résidence de Fairy Tail. Ah, attends, là il y a un truc. Oh, il y a un immeuble à gauche. C'est vrai? Ouais, comme, un, ouais, comme une grosse résidence un peu. Ouais, sinon, est-ce que ça peut... si c'est pas la résidence de Fairy Tail, ça pourrait aussi être. Mais ça, déjà, tu reconnais pas, ça c'est la place avec l'arbre. Ou bah, je crois que c'était. Qu'est-ce que je voulais dire, putain? Où il y avait une geek de là qui avait, je crois que c'était Phantom Gorge, je suis pas sûr, je sais plus comment elle s'appelait. Où ils avaient accroché Rebi et tout à l'arbre. Je sais pas, attends, bah. Ils avaient accroché Rebi à l'arbre et c'est la geek où il y avait Jubia et Gadji là-bas. T'es pétation. T'es pétation. Regarde là, c'est pas ça? Ça, tu sais ce que c'est? Ça, c'est les résidences de Fairy Tail. Ok, d'accord. Et si c'est pas les résidences de Fairy Tail, ce que je veux dire tout à l'heure, c'est la geek où il y avait le père de Lucie. Okay. Mais non, en fait, quand tu regardes l'intérieur, c'est la résidence de Fairy Tail, parce que tu rentres ici. Sur la droite, normalement, t'as un escalier. Il n'y a pas d'escalier. Attique. Là, j'ai attique. J'étais sûr qu'il y avait un escalier sur la droite dans ce bâtiment. Déjà, là, il y a des combles. Non, mais à tous les coups, c'est la résidence de Fairy Tail, ça. Parce que la guide du père de Lucie ressemble pas à ça. Non, mais oui, on dirait un peu comme s'il avait fait des chambres. Mais même, non, il y avait un escalier sur la droite, j'en étais persuadée. Ben, il y a l'escalier.
Ouais. Et on dirait qu'ils ont fait des espèces de chambres. Hein. Dans tous les cas, avec du père de Lucie, il y avait un accueil. Donc... Erza Room. Oui, bah oui, c'est ça. Alors attention, Jubia Room. Hop. Putain, Erza, elle a une de ses chambres. Bah, là, j'ai la meuf, j'ai Bass Room. J'ai Bass Room, je sais pas qui c'est, Bass. Bass... T'es con. C'est une blague. C'est une petite blague. Okay, c'est complètement vide. Et je suis quand même putain, Erza, elle a une de ses chambres. Mais en même temps, la meuf, elle a quasiment grandi ici, t'as vu. Mais non, mais là, c'est plus une chambre, c'est un appartement. C'est un chalet. C'est au tout dernier étage, ça fait un petit armure. Non, pas au tout dernier. Oui, tu te souviens pas qu'elle avait genre toute une garde de robe dans sa chambre là. Et c'est devait être une petite armure, je crois, quand elle avait fait spawn. C'est là, attends. T'es où? Viens. Non, d'après moi, tu trouves la chambre de Ribi, il doit avoir plein. Bah, tiens, tu disais quoi? Plein de bibliothèques dans la chambre de Ribi. Ah oui, Ribi, je vois qui c'est. C'est pas la meuf avec les cheveux bleus? Si, c'est qui est toujours en train de guérir. Ouais. Viscas, gros. C'est qui Biscasse déjà? J'ai pas mis, il a l'air d'aimer les animaux. Je pense savoir qui c'est, mais c'est toujours une commande. Hashtag Solite. Hashtag pourquoi? Ah oui, bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Non, mais je pense savoir qui c'est, mais de peur de dire une connerie, je ferai ma gueule en fait. Et je dirais ça. Pire, tu mets des images à chaque fois qu'on rentre dans. Tu fais un montage? Ouais, j'avoue, je vais faire ça. Mais tu vois, je suis sûre de savoir qui c'est, mais en même temps, je suis pas sûre, du coup, je ferai ma gueule. Attends, merde, suis-moi. Attends, c'est là-bas la chambre Erza, c'est en haut? Oui, c'est en haut. C'est quoi Attic? Ah c'est les combles. Et voilà, et Sengao, je crois qu'ils ont découvert que nos maîtres ils espéraient dans la piscine. Attic. Désolé. Je crois que c'est là-dedans qu'ils ont découvert ça. C'est là, il y a là à gauche. Ah merde, je suis pas descendu dans l'étage de trop. Ah non, c'est là. Erzaru. Erzaru. Ah non, t'as tous ces trucs avec ses armures et tout. Ouais, c'est ces trucs maîtres, les armures, je pense. Ouais. Ah mais à tout l'étage, la fille. Et après, c'est moi qui ferme par les portes. Je vais t'enfermer dedans, tu vas voir. Meuf, elle a que des trucs pour ses armures et elle a un petit guide. Tiens, regarde, la salle de bain, elle est marrante, tu trouves. Mais où est la salle de bain? Là, attends. Ah oui, ok, j'ai compris. Putain, sa mère. Mais c'est tout ça pour au Japon dans la salle de bain, tu sais, à chaque fois. Ah, t'as vu, ça fait les miroirs. Ça, par contre, c'est stylé, par contre. Tu connais ou pas Shaman King? Non. Donc, bref, dans la moitié des épisodes, ils sont en poc dans leur sac de bain en fait. T'as vu, ça a aucun rapport avec, mais ils sont toujours en train de parler là-dedans. En fait, dès qu'il faut qu'ils parlent sérieusement, ils sont là-dedans, tu sais pas pourquoi. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Bon, du coup, on va s'arrêter là sur la vidéo et on parlera le prochain épisode d'ailleurs. Tu penses? Non? T'en penses quoi? Ouais, comme tu veux. Au pire, attends, on va à la gare et on les retrouve à la gare la prochaine fois. Ça va, pas de soucis. Alors attends, on est complètement perdu, je ne sais pas du tout. Au pire, non, on s'arrête là et puis on les retrouve à la gare. Ouais, on va nous mettre à la gare tout seul. Donc tout le monde, on va se quitter ici. J'espère que ce premier épisode vous a plu, que ça aura rappelé des souvenirs à quelqu'un. Enfin, à quelques-uns, excusez-moi. À quelqu'un. Si on a deux, on peut pas. Si on a deux, c'est non. C'est Gaffi qui vise les gens. Non, à quelques-uns d'entre vous, j'espère. Hein, et peut-être que certains découvrent simplement Fairy Tail, j'ai spoilé complètement tout le monde. Donc du coup, Ender, dis au revoir au lieu de faire le pervers. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Allez, bye. Bye. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Attends. Ah oui, je tape. I sing it in the rain. Ok, c'est ce que je vais faire. I sing it in the rain. Mais après, tu fais un truc, hein. Avec les voix bizarres et tout, tu sais. Ouais, t'inquiète. Hein. Ok. Non, tu rassènes, hein. J'ai le stress. Oui, non, mais j'arrive en mode. En mode. 2, 1. I sing it in the rain. I sing it in the rain. Wouhou! Ouh, t'es mauvais! Oh. Montre-moi ton cul. C'est quoi ça? Rentre chez toi. Ok, t'es prêt? Mais tu chantes pas toute la chanson, souvent tu fais juste un passage. Ouais, t'es prêt? Ouais. Bonsoir public. Y'a qu'une personne. Applaudis. Merci. Est-ce que vous êtes prêts? Va t'asseoir, toi, depuis une semaine. C'est bien, mon chien. Donc,
J'aime les licornes, les jaunes licornes. Elles ont un pingage sans bois, bonne nuage. Elles sont gentilles avec leurs amis. Même si elles pratiquent qu'un assodomie. Yeah! Je suis un mec qui s'envoie en moi dans la... C'est genre... Qu'est-ce que j'ai du sommeil et tout, t'as vu en plus?